Aimeriez-vous conserver ou améliorer la souplesse et la fermeté de vos muscles? Oui. Que diriez-vous d'utiliser votre déesse intérieure pour le faire? Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue au 29e jour de votre défi yoga. Waouh! C'est génial! Il vous reste aujourd'hui et demain et vous aurez complété votre défi 30 jours. C'est extraordinaire. Toutes mes félicitations. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo comme ça et que vous n'avez pas participé au défi, je vous invite à vous inscrire à défiyoga.com pour pouvoir participer et recevoir toutes les vidéos à chaque jour. Et si vous aimez le défi, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer j'aime en dessous de cette vidéo et de la partager avec vos amis. Aujourd'hui, on voit comment éveiller notre déesse intérieure, comment l'utiliser pour à la fois aller puiser de la force et aller chercher de la féminité et de la souplesse. J'ai reçu une question de Maryse, c'est pas moi, c'est une autre Maryse, qui écrit: ayant déjà fait plus d'une dizaine d'années de yoga de salle pendant ma jeunesse, à 64 ans maintenant, mon souhait est de conserver la souplesse et la fermeté de mes muscles sans avoir à me déplacer de chez moi, car le temps de prendre le chemin vers la salle et de revenir chez moi devient contraignant et le stress de conduire dans les embouteillages gâche tout le plaisir et les bienfaits d'une séance de yoga. Voilà, mon défi est de travailler en même temps sur la force et l'agilité de mon corps. Mes salutations et remerciements, Maryse. Merci beaucoup, Maryse, pour votre question et je suis ravie que vous soyez sur ce défi yoga, que vous pratiquiez le yoga. Donc, on a vu des séances de yoga plus longues que vous pouvez pratiquer. Mais si vous avez, je ne sais pas, 5 minutes dans une journée, le matin, que vous dites « je veux me mettre en train et pouvoir pratiquer », la posture de la déesse, elle est tout indiquée. Elle est vraiment magnifique et on va la faire d'une façon dynamique, donc en mouvement, pour que vous puissiez profiter des bienfaits de cette posture. Et la posture de la déesse est l'une des 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Donc, vous pouvez télécharger le lien juste ici en cliquant juste à côté si vous êtes sur YouTube ou encore si vous êtes sur Facebook en cliquant au-dessus. Donc, je vous invite à prendre la position de la déesse. Elle se fait en position debout. Et pour ce faire, vous écartez les pieds environ la largeur d'une jambe. Ça peut être un peu moins large aussi, selon la flexibilité de vos hanches. Lorsque vous allez plier les genoux, donc vous amenez les genoux en direction des petits orteils, et le tronc va descendre. Ici, le tronc ne bouge pas, donc vous ne sortez pas les fesses vers l'arrière. Vraiment, le tronc ne bouge pas et vous descendez vers le bas. Si vous n'avez pas beaucoup de flexibilité, ça se peut que vous descendiez juste un peu, que vous sentiez que ça étire, que ça renforce également en même temps. Vous restez là, ce sera parfait. Si vous avez plus de flexibilité, vous pourrez descendre plus bas. Une chose qui est importante, c'est si vous descendez plus bas, vous ne voulez pas avoir les genoux qui s'en vont vers l'intérieur, mais vraiment avoir les genoux vers l'extérieur. Donc, si vous vous retrouvez à avoir le tronc penché en avant, vous remontez, vous êtes mieux d'aller moins loin. Aussi, lorsque vous pliez les genoux, si vous avez beaucoup de flexibilité, assurez-vous qu'ils ne dépassent pas les chevilles. Donc, vous ne voulez pas avoir les genoux qui soient plus loin que les chevilles pour ne pas blesser les genoux à long terme. Donc, dans cette posture, amenez le pubis vers le nombril, les bras longs de chaque côté. Respirez calmement, profondément. Et vous poussez le dessus de la tête vers le ciel pour allonger votre tronc. Inspirez, soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. Amenez les mains en prière. Et à l'expiration, amenez-les devant le cœur. Vous pliez les genoux. Inspirez, soulevez les bras. Les jambes deviennent droites. Et à l'expiration, vous pliez les jambes. Vous amenez les mains en direction du cœur. Toujours les genoux en direction des petits orteils. Inspirez, vous soulevez. Et à l'expiration, vous abaissez les mains. Une fois que le mouvement est bien compris, lorsque vous inspirez, vous pouvez aller chercher l'énergie qui se trouve dans l'univers, l'amener entre vos mains et l'amener dans votre cœur. Et lorsque vous inspirez, vous pouvez aller puiser à nouveau l'énergie de l'univers pour l'amener dans votre cœur.
Pour une prochaine inspiration, vous pouvez imaginer que l'énergie qui est dans vos mains s'en va dans l'univers. Et vous remerciez ensuite votre cœur d'être généreux. Les deux intentions sont très intéressantes. Et ce que je vous propose de faire, c'est de prendre l'intention qu'habituellement vous ne faites pas. Donc, si vous avez l'habitude de donner, ici, inspirez et recevez l'énergie de l'univers. Amenez-la dans votre cœur. Si vous avez l'habitude de recevoir, ouvrez les mains pour donner. Et ensuite, remerciez votre cœur de donner. Inspirez à nouveau. Amenez les mains au-dessus de la tête. À l'expiration, amenez les mains devant le cœur et restez dans votre position. Donc ici, les genoux en direction du petit orteil, pubis vers le nombril. Les mains peuvent être devant le cœur ou si vous le voulez, vous pouvez ouvrir pour aller chercher encore plus d'énergie. Respirez profondément. Il fait chaud dans cette posture. Vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Vous pouvez inspirer, soulever un peu. Et à l'expiration, vous abaissez. Excellent. À nouveau, vous soulevez. À l'expiration, vous abaissez. Une dernière fois. Donc ici, vous allez travailler à la fois la souplesse et la force des muscles. Et pour sortir, ramenez les mains en prière devant le cœur. Inspirez, soulevez. Et laissez cette énergie se manifester tout autour de vous, comme une déesse. Et observez les effets dans votre corps. Peut-être que le cœur bat un peu plus vite. Peut-être que vous sentez vos cuisses. Ou encore l'ouverture dans vos hanches. Peut-être que vous ressentez aussi une grande énergie. Et pour connaître les bienfaits physiques, psychologiques et spirituels de cette posture, de la posture de la déesse, je vous invite à télécharger le guide des 12 postures essentielles. En même temps, vous allez voir les contre-indications. Donc, vous pouvez faire cette posture, la posture de la déesse, le matin en vous réveillant. Ça va échauffer vos muscles, donc surtout si vous la faites en mouvement. Et lorsque vous restez dans la posture, vous activez la puissance de vos muscles, vous activez votre force. Donc, c'était aujourd'hui notre 29e jour du défi yoga. Je vous invite à cliquer « J'aime » sur la vidéo en dessous, partagez-la avec vos amis et on se retrouve demain pour la dernière journée du défi yoga, le jour 30. Je vous embrasse et ce sera un plaisir de vous retrouver demain. Namasté!